Yo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça va être un peu bizarre. On va manger 24 heures tous les aliments qu'on déteste. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi t'es contente? Tu vas souffrir toi aussi. Ouais. C'est parti. On commence par le petit déjeuner. Ouais, logique, on va pas commencer par le dîner. Toi, tu proposes quoi pour le petit déjeuner que tu détestes? Non, par contre, attends. Là, tu te fous de notre gueule. Je te dis, on fait un 24 heures qu'on déteste et respecte pas, ramène des Kellogg's. En quoi tu détestes J'aime ça? J'aime pas les Kellogg's au chocolat blanc. Tu te fous vraiment de moi, Myriam? Non. Elle respecte pas le concept. T'aimes pas les trésors au chocolat blanc, genre c'est ça ton déjeuner le plus affreux possible. Je sais pas si vous y... Vas-y, on va jouer le jeu. On va lui ouvrir ses Kellogg's. Qui n'aime pas les trésors, frère? J'aime bien les trésors au chocolat normal, mais pas au chocolat blanc. Genre là, c'est un supplice de manger ça pour toi. C'est un supplice, c'est une horreur. Non. Bah voilà, donc tu te fiches de moi. C'est pas grave, c'est le petit déjeuner. On lui met un petit peu. Elle a dit qu'elle déteste le chocolat blanc. Moi, j'ai ramené vraiment les trucs que je déteste le plus. Alors, le matin, on est bien d'accord que les pires gâteaux au monde, c'est les boudoirs. Ça passe dans un tiramisu, mais tu peux pas manger ça. Pourquoi t'as ça dans ton placard? C'est pas moi. Si, c'est toi, t'en manges des fois. Jamais j'en ai mangé. On continue avec ces biscuits-là, ils sont vraiment éteints. Les spéculoos à la cannelle, frère. Laisse tomber. Vas-y, fais-nous une dégustation de... Après, je vais vous montrer, moi. Vous allez voir c'est quoi vraiment ce que je déteste. Ça me fait des frissons. Bismillah. Genre là, c'est horrible. Ouais, fais bien, genre. Fais... Elle me tue, je te jure, elle me tue. Genre, t'aimes pas. Ok. Alors moi, dites-vous, j'ai pris un coach nutritionniste et tout pour que, tu vois, il me donne une bonne alimentation. Tu sais, il m'a dit de manger quoi, ce fou? J'ai dû manger ça pendant grave longtemps. Des copies doubles. Vous allez voir, tu vois les copies doubles? Hein? Tu vois les copies doubles? Il m'a dit de manger des copies doubles, regardez. Alors, c'est des galettes de riz. Je vous promets, ça a le goût d'une copie double. C'est horrible. Vous savez ce que j'ai fait, moi? Parce qu'il est hors de question que je mange des copies doubles dès le matin. Je me suis dit... C'est dégueulasse, ok, mais si on mettait du Nutella dessus, rien à foutre. Donc je fais quoi? Je prends du Nutella, j'en mets dessus comme ça. Un peu de miel. Ah, clairement. Ah, c'est une lait. Non, s'il te plaît, laisse-moi goûter. Ok. Dis-moi ce que t'en penses. Attends, je crois qu'il y a du miel. C'est pas un truc de ouf. Elle le dit pas, quoi, de toute façon vous savez pas c'est qui, je m'en fous. Et du coup je mets ça et du beurre de cacahuète dessus. Et je voulais vous montrer que les tartines, c'est pas éclaté au sol. Hein. En vrai, si tu les tartines avec de la bonne confiture que tu mets dans le café, c'est incroyable. T'as pris tout ce que t'aimais, en fait. Non, j'ai pris ça, je trouve que c'est éclaté, tu vois, mais je me suis dit en fait c'est pas si éclaté que ça. A few moments later. On va faire une pause des écrans, parce que ça y est, les écrans, j'en ai marre toute la journée devant l'écran, ça y est, frère. Faut faire une pause, là tu fais quoi? On est en train de faire modeler. Un panier. Théma, le panier. Ça, je me suis toujours demandé, c'est quoi comme matière la pâte à modeler? C'est du plastique caoutchouc. Fais voir. Vas-y, fais un bail pour voir si t'étais fort à l'école. Et là, nous, on va aller au stade, Myriam, donc on va te laisser jouer avec tes trucs de pâte à modeler. Et maman, elle est en train de préparer le repas de tout à l'heure. Tu vas faire quoi? Hein? Tu fais quoi? Regardez, Myriam, ce qu'elle a fait. Un petit panier. Et lui, il fait quoi? Tu préfères mon dessin ou son dessin? Alors, on a mis KB Noébé. Merci. Et elle. Panier de Yoplait. Panier de Yoplait. Tu préfères qui? Je préfère. Tout le monde doit préférer mon dessin. Je suis désolé. T'es obligé de préférer KB Noébé. T'es obligé. Je préfère Myriam. Les gars, je suis avec mon gars Riyad. Depuis tout à l'heure, il regarde notre entraînement. Il s'est même entraîné avec nous. Franchement, il est fort. Hein. Et là, il va nous proposer un défi. C'est quoi ton défi, Riyad? Le défi, c'est crossbar du milieu terrain, comme avant. Ouh là 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 là. C'est lui, hein, c'est pas moi. Tu lances à lui. Et non, Yacine, c'est. Oh là là, il a dit les deux. Oui. Moi, regarde, Riyad, regarde. Je suis blessé. En vrai, donne-moi ce défi-là. Moi, Yacine, tu lui donnes un autre défi. Parce que moi, comme ça, ça fait deux défis différents. Bah, toi, juste des coups francs. S'il arrête, on se fout de sa gueule. Hein. Ah, aussi, c'est pas facile le défi. Vas-y, je Riyad, il croit en toi. Il a dit, il pense que tu vas réussir. Hein. Donne-moi ta force. Mais dis-toi, tu dis, c'est la plus facile. C'est vrai. Yes, il l'a fait. Quand tu veux. Allez. Ah. Ouh. Aïe aïe aïe, sur le côté. Faut la mettre tout droit et errant, tu penses? Attends, il reste deux ballons. T'en penses quoi, Riyad? C'est compliqué. T'as le droit de le dire. Déjà, faut qu'il cadre. Donne-moi un conseil.
faut bien tirer des lacets déjà. Okay. Des lacets, frère, tu tires pas des lacets depuis tout à l'heure. Ok, des lacets, vas-y. Des lacets, tu fais comme ça. Oh, oh, ça se rapproche. Aïe 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 aïe. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Coup franc. C'est un petit en plus et tu tires de là. Allez Riyad. Oui Riyad. Bien, moi je mets transversal parce qu'il veut pas, il touche pas la barre. Vas-y, fais transversal. Riyad touche la barre. Biscuit. C'est gamin. A cause de ça, tout le monde a vu que je suis nul maintenant. Merci beaucoup. Attends, Riyad, tourne-toi. Allez, après quoi derrière? Ali, c'est un défenseur. Dédicace à Levon. Ouais. Levon Lewandowski? Non, Levon. T'as pas oublié? Une petite Sarah. Ça commence par un S. Bah, avant, il y avait une Sarah dans le. Ouh! Ah, attends, là, 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 là. Ah, tu vas pas me carna. Ce matin, j'ai rien dit, elle a ramené des trésors, des Kellogg's. Mais qu'est-ce que ça a à faire du coup, ce attends, calmez-vous, je sais, calmez-vous avant de m'insulter de tous les noms. Avant de mettre un commentaire, il y a un couscous. Le couscous que ma mère a fait. Je vais m'expliquer juste après, les gars. Calmez-vous. Ça, par contre, ça a quelque chose à faire dans le 24 heures. Alors, on a des légumes. Elle déteste les légumes. Moi, j'aime tous les légumes. Je suis allergique aux courgettes. Mais ceux que j'aime le moins, on va dire, c'est les courgettes. Je suis allergique aux. Non, tu vas pas me la faire. À chaque fois qu'elle aime pas un truc, elle a déjà l'allergie. Tu vas goûter, je vais goûter maintenant. Ce matin, t'as mangé des trésors. Toi aussi. Ouais, moi, je goûte. Allez, tiens. Bismillah. En ça, c'est pas dégueulasse. C'est pas mes légumes préférés, mais c'est pas dégueulasse. Mange. Eh, hey, je m'en fous, tu finis. Mes légumes préférés, moi, les reins, c'est les haricots verts. Tu finis. Eh, hey, finis. Eh, hey, pleure. Pourquoi tu pleures? Mange, tu fais... Bismillah. Comme un médicament. Mange. Moi j'aime bien les haricots verts, les carottes. Pff, oh là là, c'est la base, les carottes. Aval. C'est dégueulasse. Aval. Ce matin, elle a mangé des trésors. Elle faisait que de rigoler sur moi toute la matinée. Elle fait. Oh là, mon vieux. Vas-y, va cracher, va cracher. Wesh, comment c'est possible? J'aime pas. Bon, elle n'aime pas toute l'assiette, je vais la manger. Hein. Wallah, je vais la manger toute la journée, je vais la manger. Alors là, on a du couscous. Je m'explique. Eh, hey, écoute, je préfère les concombres froids que chauds. D'accord, c'est des courgettes, c'est pas des concombres. Ah. Je m'explique pour le couscous. Myriam, elle pourra vous dire la vérité, j'aime tous les plats. Pratiquement, j'aime tous les plats. Il y a vraiment peu de plats que je déteste. Si ça aurait été un 24 heures extrême que je déteste, j'aurais pris du mouton, mais du mouton, j'en ai pas trouvé. Le couscous, quand ma mère ou ma grand-mère, elle en fait, je mange pas. Parce que pour moi, c'est un repas triste. Je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas de plaisir à manger ça. Vas-y, viens, on goûte, viens, vas-y. Toi, t'aimes bien, tu toi? Tu manges toute la tête de couscous quand tu vas. Alors, le couscous, le prophète Ali Satosem, il a dit qu'il faut le manger dans un plat comme ça. Attends, dans un plat comme ça, on le met au milieu, tous les invités autour de la table et tout le monde mange dans le même plat. Donc, ah, mais c'est la base, le couscous. Je sais pas pourquoi tu le laisses dans ce 24. Non, mais moi, je trouve que c'est un repas triste. Faut prendre la bouchée parfaite. Hein. Avec tout, comme ça. Bismillah. Maman, ton couscous est incroyable. Pourquoi tu mets ça dans un 24 comme ça? C'est bon. Désolé, je m'excuse. Hein. Je m'excuse d'avoir pris le couscous pour ce 24 heures parce que c'est archi bon. Je sais pas ce qui m'a pris, mais c'est un repas triste. Mais en vrai, vas-y, tu peux. C'est ta raison. Aïe. Vous vous rappelez, dans un des derniers 24 heures, il m'avait volé ma paire. J'ai appelé Nike. Il m'a dit que le livreur, soit il a volé la paire, ou soit elle a été perdue. Du coup, ils m'ont remboursé Nike, c'est vraiment des bons. Si ça vous arrive, appelez-les. Ils m'ont renvoyé une paire en deux jours, genre en mode, ils m'ont renvoyé ma paire. Donc là, je l'ai reçue. Je suis vraiment super content. C'est pour jouer au foot. Regardez, c'est la nouvelle Mercurial. Franchement, je la trouve super stylée, comme c'est fin et tout. Ça va pas faire des gros pieds. Vas-y, je vais l'essayer. Oh, le toucher, il est grave stylé. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, Nike. Hein. Enfin, merci, c'est mon cas payé, frère. Myriam et Younes, je sais que vous êtes en galère et vous en pouvez plus dans cette vidéo. Du coup, je vais vous laisser un joker. En gros, ça va être simple. Je vais organiser un jeu. Celui qui gagne, il peut manger ce qu'il veut. C'est bon? Parti. Ça tombe bien parce que là, on va mourir de faim, là. Donc là, on a le jeu des stylos. Ok. On peut en enlever un, deux ou trois.
Par contre, on fait quoi? Celui qui retire le dernier, il a perdu. Ou alors, dès qu'il n'y en a plus, il a perdu. Le dernier. Ok, le dernier stylo, il a perdu. Myriam, tu ne triches pas. Myriam, tu triches pas. Tu manges un repas dégueulasse si tu perds. Et je mange un repas dégueulasse si tu perds. Tu commences ou je commence? C'est la plus petite qui commence. Ok, vas-y. Faut vraiment pas que je perde. Un, deux ou trois, tu peux en enlever. On enlève trois. T'en enlèves trois, c'est bon. Moi, je fais mon gros bouffon. Un, à toi. Oh là 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 là, faut vraiment pas que je perde. Hell of the Younes, faut qu'il mange un bon repas en plus. Je vais manger quoi? 3, elle enlève que par 3 par contre. Elle enlève que par 1. T'as calculé Myriam? C'est pas mon problème. Je regarde. Ok. Si je perds, j'ai la haine. Enlève 3 encore. Arrête de l'aider toi. Ok. Attends, je réfléchis. Ma technique, elle va payer les crêpes. Tu vas voir. Ouf, Younes! Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 5. Ah bah dans tout. Ah démoradé, je te donne pas d'indice. Attends. Là on est d'accord, c'est dès qu'il en reste 1, c'est fini. Ok, faut qu'il en reste 1. T'as pas le droit d'enlever les 4 d'un coup. Réfléchis. Voilà, il a gagné. Non. Obligé. Oh, là, oui, mais t'es obligé d'en enlever. Ah non, elle a raison. Bah oui. C'est elle qui a gagné. Mais non, là, je viens d'en enlever un. Oui, là. Mais regarde, il en reste 1, donc c'est pour toi. Bah oui. Non. Ah, elle a perdu. Mais n'importe quoi. Il va avoir dans son propre piège. Non, mais vas-y. Attends, mais prends-le. Non, je le prends pas, c'est... Il est parti. The next day. Rigolez pas, j'ai même pas fait exprès. En plus, c'est moi qui dois tout préparer. On va commencer par des hamburgers. Hop. Quand même, t'es nul au jeu du stylo. Je suis pas nul, frère, c'est toi qui es forte. J'ai cru que j'avais gagné. Jusqu'à la fin, j'ai cru que j'allais gagner. Bah non. Et on va rajouter deuxième tranche de fromage. Bon, donc là, pour mon tacos, je veux un œuf, du fromage, de la crème fraîche. Mais tu veux pas manger tout ça, t'es pas un ogre. Je te mets une omelette. Je te mets c'est quoi ce manque de crème fraîche? Je te mets mozzarella. C'est quoi ce manque de crème fraîche? Ah, tu veux encore plus de crème fraîche? Bah oui. Vas-y, ça se fait pas, moi je vais avoir quoi moi ce soir? Vas-y, je te rajoute de la crème. Pour le dessert, je veux des bonnes pépites de chocolat. C'est de la torture, frère. Elle a fait des cookies maison. Je dois mettre des petits bouts de chocolat. Et on va rajouter un choco frais. Un choco frais. Je vais finir la poubelle, là. Non, vas-y, c'est de la torture, frère. La tête d'homme, c'est de la torture. Aïe, aïe, aïe. J'ai été super gentille. Je me suis pris un tacos, des frites, deux burgers, trois cookies avec... Comme si t'allais manger tout ça. Même moi, je mangerai tout ça avec ta difficulté. Mais vas-y, bref, et moi, tu m'as pris quoi? Et pour Younes, je lui ai pris des radis, des frites de patates douces, un yaourt. Un yaourt nature et mais des frites... Mais franchement, qui mange des frites de patates douces? Mais ça se fait pas. Elle se prend des frites bien et moi, elle me met des frites de patates douces, frère. Bah, fallait pas perdre. Mais je voulais juste goûter les radis, ça fait archi longtemps que j'en ai pas mangé. Un des pires légumes, s'il vous plaît. Et moi, je vais goûter mes frites. Ah, mes dents! Mais depuis quand un légume ça pique? C'est horrible. J'aime pas. Non, faut pas faire checker la nourriture, c'est pas bien. Ça pique, je vous promets, ça pique. Depuis quand ça. Pique. Je veux croquer? Oh, franchement, moi j'ai une petite soeur, elle est super gentille, vas-y, tu me l'as. Ça, c'est quoi? C'est une boisson du parc Astérix? Mets-moi ça. Mashallah. Je m'en fous, j'ai de l'eau. On va quand même goûter les frites de patates douces. Je vais vous dire vraiment mon avis si c'est aussi horrible que ça. Je mets de la sauce curry dessus. C'est incroyable, les tacos. On va voir. Non, les frites, elles sont meilleures. Elles sont toutes molles. C'est pas des frites, c'est des patates douces. Pourquoi ils appellent ça frites de patates douces? C'est tout mou. Eh, c'est la première fois que je mange des frites toutes molles. Et moi. Alors qu'elles sortent du four. Là, je vois, il y en a trois. Je me suis dit, j'ai souffert pendant la vidéo. Fais néné un bout. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas si elle va partager. Bon, vas-y, je suis gentil, je te laisse. Diourlah. Oh, merci beaucoup, ma sœur. J'ai le droit à m'en laisser.
Si on va prendre un bout, toi. Mais je vais prendre un bout déjà. Vu que c'est mon seul bout, il est vraiment balèze. Bismillah. Il l'a sérieusement mangé? What the fuck, man? Wouh! Comment c'est bon? Incroyable, vraiment 28 sur 10. 1000 sur 10. 1000 sur 10, 1000, 1000. T'as vu, c'est quoi 1000? Elle en reprend. Viens, on mange d'abord le salé. Moi, je mange mes frites, toi, t'es radieux. Après, maman va dire: vous avez mangé le sucré et pas le salé. Laisse ta cuillère là-bas. Laisse ça là-bas. Voilà, famille, on va vous laisser là. J'ose même pas goûter ce yaourt nature, c'est même pas la peine. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, laissez un like. Et dites à votre avis en commentaire si elle va finir tout ça là.